que nous serons invités à cheminer vers la fête de Noël. Cette lumière, c'est le Christ qui nous aide à nous redresser, à nous tenir debout dans la foi et à rester fort dans les épreuves. C'est ce que veut nous rappeler la première bougie de l'Avent. Fils du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance et son Fils Jésus, dont nous attendons la venue dans la gloire, soit toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite bonne année nouvelle au temps liturgique. Donc, c'est avec grande joie que nous célébrons cette messe, premier dimanche de l'Avent. Oui, comme vous connaissez qu'aujourd'hui, peut-être une nouvelle traduction de Michel Romain aurait dû entrer en vigueur aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent. Mais l'équipe pastorale a décidé qu'on va commencer ultérieurement à l'arrivée de Prions qui correspondra à ce nouveau Michel. Et donc, peut-être après deux semaines que nous allons pratiquer ça. Donc, au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, en ce début de l'Avent, le Seigneur suscite en nous l'espérance du salut. Mais parfois, notre cœur se décourage à la venue des signes qui ébranlent notre foi et nous font douter de sa présence. Reconnaissons à son infinie miséricorde. Tu es venu apporter le salut et la paix au monde. Seigneur, prends pitié de nous. Tu raffermis nos pas et nous fais relever la tête. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu reviendras avec puissance et grande gloire, nous ouvrant ainsi les portes du ciel. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il affermisse en nous l'espérance de son salut et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur pour qu'il soit appelé lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Comme les étoiles nous guident dans la nuit, laissons la parole de Dieu nous éclairer sur le chemin de la vigilance. Du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Pécheur le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité. Qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. De la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur.
voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique débute sous le signe de l'espérance. C'est exactement ce que l'Église a choisi aujourd'hui comme thème, avec lui, espérer encore. D'abord, comme la plupart des prédicateurs, aujourd'hui, j'aimerais commencer par un rappel de la signification du mot « avant ». Celui-ci a la même étymologie que le mot « avènement » qui signifie « la venue » ou encore « l'arrivée ». L'avant, donc, c'est le temps d'accueillir Dieu qui est, qui était et qui vient. Selon l'évangile d'aujourd'hui que nous venons d'entendre, ce retour du Christ semble associé à des catastrophes précédées par des signes avant-coureurs terrifiants. Les hommes mourront de peur dans la crainte de malheur arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlés. Oui, frères et sœurs, la description de ces bouleversements n'est pas sans susciter un sentiment de peur. L'actualité nous en donne de nombreux exemples chaque semaine dans les médias. Notre monde actuel vit aussi sa part de malheur. Il n'y a qu'à penser à ces deux dernières années. L'épreuve de la pandémie a pris une ampleur planétaire, plongeant l'humanité dans une angoisse qui n'en finit pas. L'on se perd à rêver que le virus de la COVID est complètement éradiqué et que l'on retrouve enfin la normalité d'autrefois. On espère que la vaccination rejoindra tout être humain habitant cette planète et que l'humanité sera complète sur la Terre. En réalité, même sur le plan personnel, les difficultés se profilent à l'horizon affectant les gens. Maladies,
isolement dû aux restrictions sanitaires, problèmes financiers, stress, dépression, etc. C'est maintenant l'heure de raviver notre espérance, de nous espérer encore. Même le slogan « ça va bien aller » est une manière de professer notre espérance à un avenir meilleur. L'histoire se répète, frères et sœurs. La souffrance est toujours présente au cœur du monde. Aussi, quand survient la détresse qui effraie et la peur qui paralyse, quand le découragement empêche d'avancer ou freine la marche, c'est encore le temps d'espérer. Par exemple, le prophète Jérémie, dans la première lecture, s'adresse à un peuple très éprouvé par la défaite et la misère. En effet, le peuple de Dieu a pris le chemin d'exil. Le temple, signe par excellence de la présence de Dieu, a été détruit et la ville de Jérusalem dévastée. C'est vraiment la désolation. Mais voilà que le prophète leur annonce la consolation, permettant au peuple d'espérer des jours meilleurs. C'est maintenant l'heure d'espérer. De la même manière, Jésus avertit les gens dans l'Évangile. Je cite, « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. » Sa prophétie nous plonge dans cet avant que nous célébrons. En première vue, il y a de quoi être effrayé. Mais ce n'est pas le but de Jésus. Lui-même nous avertit, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche, dit-il. Il insiste sur la manière qui convient d'accueillir ces signes avant-coureurs. Ceci nous renvoie à la fin des temps, au retour définitif du Seigneur. L'attitude de celui et celle qui espère en la vie, c'est d'être actif et vigilant. Jésus nous veut en éveil et priant en tout temps. Donc, le temps de l'Avent, frères et sœurs, c'est pour intensifier notre relation avec Dieu par la foi. Nous devons impérativement sortir de notre insouciance. Saint Paul, dans la deuxième lecture, croit fermement que ce retour du Christ est pour bientôt. Il nous invite également à progresser chaque jour dans la foi et dans l'amour. Ce mot « avant » dont j'ai brièvement évoqué l'étymologie plus tôt, est de la même famille que le mot « attente » et « attention », lequel mot revient du latin « ad attendre », qui signifie « tendre vers ». L'avant, frères et sœurs, nous invite vers Dieu, mais il nous rappelle également que nous devons être attentifs à ceux et celles qui nous entourent. Donc, la dynamique de l'avant doit nous pousser à faire chaque jour de nouveaux progrès dans le domaine de l'amour fraternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, célébrer l'avant restera toujours d'actualité. Le Seigneur vient à nous dans les événements de tous les jours et à travers les personnes que nous rencontrons. S'il vient, c'est pour nous apporter la paix, la vie, l'amour et l'espérance. En ce temps d'espérance,
en l'accomplissement des promesses du Seigneur. Ne laissons pas nos cœurs s'alourdir. Il ouvre tout cela à un monde trop souvent imprégné de violence et de mort, à un monde affolé par le fracas de la tempête et par le malheur. Frères et sœurs, Noël, c'est bien sûr un événement que l'on célèbre chaque année, mais c'est aussi un événement, celui d'un monde nouveau qui marque le notre tout comme notre histoire. Avènement initié par la venue de Dieu en notre monde, venue qui est porteuse d'espérance contre toute espérance. Amen. Frères et sœurs, proclamez notre foi en celui qui est notre unique espérance et notre salut. C'est Dieu infiniment aimant et présent, lui qui est, qui est et qui était. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Restez éveillés et priez en tout temps à l'invitation de Jésus. Prions le Père de nous garder en étant d'espérance et prions-le avec confiance. Dieu de l'espérance, nous. Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l'angoisse et la détresse, prions le Seigneur. Pour les dirigeants de notre société qui sont parfois tentés par le découragement et la quête d'intérêts personnels, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou qui ne trouvent plus de raison d'espérer, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance et de Dieu. Pour les pasteurs, les catéchistes, qui font découvrir le Dieu de l'espérance sur qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance et de Dieu. Pour chacun et chacune de nous, et pour notre communauté appelée à progresser dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance. Hier, c'était la Guignolée. Prions pour toutes les personnes qui ont donné, pour toutes les personnes qui ont hésité à donner, pour toutes les personnes qui n'ont pas donné. Mais prions surtout pour les personnes qui recevront, ceux qui hésitent à demander pour recevoir et ceux qui ne recevront rien. Ça peut arriver aussi. Seigneur, nous te prions. Père Claude, y a-t-il des premières communions aujourd'hui? Oui. Prions pour tous les jeunes qui recevront leur première des communions. Ça se fait à l'Église Sainte-Trinité cet après-midi. C'est important. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t'en prions, accueille avec bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre Père, notre Dieu,
La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de Pierre Lauzon, recommandé par sa fille Hélène. Ernest Pilon, recommandé par Claudette et Guy Séguin. Défunt de famille, Saint-Poré, Wango, par Gladys. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que le bienvenu de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta gloire, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée aujourd'hui devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde, en tout particulier pour Pierre Lauzon, Ernest Pilon, les défunts des familles Saint-Boré, Wango et Gudraïogo. Et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Priez en tout temps, nous dit Jésus, avec les mots qu'il nous a appris, adressons alors notre Père. Notre Père qui es aux cieux, notre nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, heureux sommes-nous être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Thank you.
quelques annonces. Nous recommandons vos prières. Monsieur Claude Marcel Boyer, 78 ans, fils de Madame Olive Marlot et de Monsieur Marcel Boyer. Les funérailles seront célébrées le 4 décembre à 14 heures à l'église Très-Sainte-Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 heures. Également, Monsieur Réal Lafont, 74 ans, veuve de Madame Thérèse Giroir. Les funérailles seront célébrées lundi 29 novembre à 14 heures à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 heures. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, veuillez prendre note qu'il y aura une assemblée générale des paroissiens et paroissiennes pour l'élection de deux marguillés le dimanche 5 décembre à l'église Très-Sainte-Trinité, immédiatement après la messe de 11 heures. Vous trouverez l'avis de convocation ainsi que l'ordre du jour à l'arrière des églises de la paroisse Saint-Michel. Merci d'y assister en grand nombre. C'est un devoir de pouvoir voter pour les nouveaux marguillés. Merci. On remercie tous les gens, peut-être que le Père Claude en ajoutera, pour ceux qui ont fait la guignolée, pour ceux qui ont donné. Il y avait une belle journée bien chaude hier au vent, hein? Avez-vous pris le temps de saluer les gens? Moi, j'ai fait une marche aussi, j'étais allé faire une accolade avec le masque, évidemment, pour les gens qui faisaient, spécialement les gens du Club Optimiste, qui faisaient la récolte des dons. Merci beaucoup. Le Père Claude l'a mentionné, le missel, on va commencer à l'utiliser officiellement probablement le 1er janvier. Il est sur l'autel, c'est le nouveau missel qui est là. Je vous avais dit que j'allais vous accompagner, que nous allions vous accompagner. Vous me permettrez aujourd'hui d'essayer un nouvel envoi. Ça vous va? Je vais prendre le plus simple de tous que nous avons. Alors, au lieu de dire « Allez dans la paix du Christ », je vais juste dire « Allez en paix ». Ça vous va? À la fin, et vous répondrez « Nous rendons gloire grâce à Dieu ». Ça vous va? Je vous prends le plus simple des nouveaux. Ça vous va à la fin? Très bien. Merci. Merci, Diacre Di. Je profite aussi de remercier, amplifier un peu le remerciement pour la réalisation de Guignolée d'hier. Merci pour votre participation et votre générosité. Et merci pour tous les bénévoles d'aujourd'hui, et spécialement pour la télé C'est sur Point TV. Merci beaucoup pour votre générosité d'appliquer toujours cette prise de vue et mise en onde notre célébration d'aujourd'hui. Oui, merci. Merci ainsi pour tout le monde qui participe à cela. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes tes maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vous donne la bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous sa bénédiction. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Bon dimanche. Venez divin messager.
Les capsules d'ici et d'ailleurs sont réalisées dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion. Nous remercions nos partenaires, dont la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, et Développement Vaudreuil-Soulanges. Ils sont d'ici et d'ailleurs, de nulle part et certainement de quelque part. Une dualité qui s'installe timidement dans leur vie, une vie tapissée de sacrifices, des sacrifices récompensés par la patience. Juste pour un summer love, non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brin. Toi et moi, sur le sable, partage, toi et moi. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Pascale Boiron, citoyenne de Vaudreuil-Dorion, qui va nous parler des défis d'intégration dans la région. Allô, Pascale! Hey, Nathalie Hermine, ça comment va? Comment ça va? Ben oui! Excuse-moi de te déranger. Pas de problème. Aujourd'hui, tu as l'honneur de me parler de toi dans la région de Vaudreuil-Dorion. Premièrement, depuis combien de temps que tu vis dans la région? Bien, je suis à Vaudreuil depuis 2008. Ça fait depuis le mois d'octobre que je travaille dans Soulanges. Fait que j'aime ça parce que là, je me sens plus proche des gens de ma région. Okay. Alors, je suis dans l'acquisition de talents. Fait que c'est une bonne façon de vraiment d'être en contact avec les gens, les chercheurs d'emploi plus précisément. Et puis, c'est un défi. C'est un défi pour nous parce que dans la région, c'est pas évident. On a des chercheurs d'emploi, sauf que moyen de transport, point de vue accessibilité, c'est un petit peu difficile. Et est-ce que vous pensez qu'il y a l'ouverture dans les entreprises pour accepter les personnes d'origine afro ou immigrante tout court? Je dirais que dans la région, c'est un petit peu difficile. J'ai fait affaire justement à différentes compagnies dans le quartier industriel de Vaudreuil. Et puis, je trouvais qu'il y avait justement un manque à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose que moi, en tant que recruteur, je travaillais très fort là-dessus pour ouvrir justement les yeux aux employeurs, différents employeurs de la région, parce que c'est une richesse qu'ils apportent. Bon, en tout cas, écoutez, Pascale, je n'ai qu'à te souhaiter bonne chance. Bien, et au plaisir que c'est sûr qu'on va continuer à travailler ensemble. Bon, ben, et j'espère. Puis, j'espère que tu vas t'impliquer beaucoup plus dans la région pour partager ta culture dans les entreprises que tu travailles. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup de ta visite, Nathalie Hermine. Bye! Haïtienne, moi, c'est de voir tout le monde manger dans le même plat avec la main ou chacune avec une cuillère. Moi, Félix, sénégalais, c'est le fait de ne pas avoir de filtre avec la conversation avec les aînés. Geneviève, Québec, je dirais le mot vigilance, parce que quand Claudio est arrivé au Québec, il y avait 2 ans, il courait très, très vite, presque plus que moi déjà. Alors, je devais toujours, toujours surveiller. Explosion Haïti, l'amour du voisin, c'est l'aspect. Rodrigo, du Chili. Je suis très frileux. Je passe mon temps à monter le chauffage et fermer les fenêtres. Moi, c'est Karine. Je suis québécoise. Moi, je passe en arrière. J'ouvre les fenêtres. Je baisse le chauffage. Orlando, de Cuba. Je trouve la différence en la nourriture parce que j'ai mangé les frijoles et le riz avec la banane plantage à la soie. Et Nathalie, c'est différent. Non, mais Orlando, lui, c'est tous les soirs. Et moi, le grand défi, c'est la langue. Orlando veut parler espagnol dans la maison, puis moi, je veux qu'il parle français. Juste pour un summer love, non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brin. Toi et moi, sur le sable partage, toi et moi, face aux vagues en voyage, tes mots doux, j'en ai besoin. Tes